Gloops, de Christine Neumann-Villemain et Marianne Barcillon. Dans le ventre de sa maman, déjà, Gloops n'était pas très sage. Ouh, eh ben, sois gentil, mon tout petit. Gloops. Quand il était bébé, Gloops était parfois un peu coquinou. Allons, mon petit Gloopsounet, sois gentil. Gloops. Avec sa petite sœur, Gloops se montrait parfois un peu trop affectueux. Ah non, sois gentil avec Croquette. Gloops. Son animal de compagnie le craignait un peu. Recrache, tout de suite. Ça, ce n'est pas gentil. Pas gentil du tout. Gloops. Et avec les gens qu'il ne connaissait pas, Gloops n'était pas très poli. Non, mais veux-tu bien être gentil ? Gloops. Le jour où Gloops entra à l'école, sa maman lui fit quelques recommandations. Mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu seras un gentil Gloopson. Tu es grand maintenant. Et tu dois comprendre qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je veux qu'on me dise que mon fils est un gentil chéri. C'est promis ? Gloops, gloops. L'école est pleine de tentations pour un petit gloopson. Mais Gloops est plein de bonnes intentions. Il est gentil avec la maîtresse. Mais ce n'est pas facile. Il est gentil avec Loulou. Pourtant, le raplaplaté serait très tentant. À la cantine, il se montre charmant. Pourtant, la petite cerise est vraiment appétissante. La sieste n'est pas un moment facile pour un petit gloupsonnet. Il faut reconnaître que Martin est très très prêt. Il est super poli avec la jolie Rose. C'est qu'elle est vraiment à croquer. Il est même gentil avec le poisson rouge. Mais c'est très dur. Glou. Enfin, c'est l'heure des mamans. Alors, mon chéri, tu as été bien gentil ? La dame qui met les manteaux félicite maman. Oh, votre fils a été adorable ! Bravo, petit Gloops. Ça mérite un bisou.